Épisode 14 Pour n'avoir pas écouté les bons conseils du grillon parlant, Pinocchio tombe dans le piège des assassins. À la une, à la deux, à la trois. Non, mais vraiment, se dit le petit pantin en se remettant en route. On n'a pas de chance, nous les petits garçons. Tout le monde nous gronde, tout le monde nous sermonne, tout le monde nous donne des conseils. Si on les laissait faire, ils se mettraient tous à jouer les papas et les professeurs, tous même les grillons parlants. Et voilà, parce que je n'ai pas voulu écouter ce rabat joie de grillons parlants, qui sait combien de malheurs devraient m'arriver, selon lui. Je devrais même rencontrer des assassins. Heureusement que moi, aux assassins, je n'y crois pas. Et je n'y ai jamais cru. D'après moi, les assassins ont été inventés exprès par les papas, pour faire peur aux petits garçons qui veulent sortir la nuit. Et puis, même si j'en rencontrais là sur le chemin, est ce qu'ils me feraient peur? Même pas en rêve. Je leur crierai en face. Messieurs les assassins, que me voulez vous? Sachez qu'avec moi on ne plaisante pas. Passez votre chemin, et je ne veux pas un mot. Après ce beau discours bien sévère, les pauvres assassins, il me semble les voir, ils s'enfuiraient comme le vent. Mais cela dit, s'ils n'avaient pas le réflexe de s'enfuir, alors là, c'est moi qui m'enfuirais. Et le tour serait joué. Pinocchio n'eut même pas le temps de finir son raisonnement quand il lui sembla entendre derrière lui un léger bruissement de feuilles. Il se retourna et aperçut dans l'obscurité deux ombres noires, comme emballées dans des sacs à charbon. Ils couraient derrière lui en sautillant sur la pointe des pieds. On aurait dit deux fantômes. Mais les voilà vraiment se dit le petit pantin. Et ne sachant plus où cacher ses quatre sous, il les mit dans sa bouche ou plutôt sous sa langue. Puis il tenta de fuir mais il n'avait pas fait le premier pas qu'on lui avait attrapé le bras et que deux horribles voix caverneuses le menacèrent. La bourse ou la, la vie. vie? Pinocchio, qui ne pouvait pas répondre à cause des pièces qu'il avait dans la bouche, répondit par des gesticulations et toute une pantomime pour faire comprendre à ces deux brigands dont on ne voyait que les yeux à travers les trous dans les sacs, qu'il n'était qu'un petit pantin et qu'il n'avait en poche pas le moindre petit faux centime. Allez, allez, arrête tes si, et sors la monnaie, fuminaient les deux brigands. Alors, le petit pantin, avec sa tête et avec ses mains, fit le signe que non, il n'en avait pas. Sors la monnaie ou tu es mort, menaça le plus grand des deux. Mort! Répéta l'autre. Et après t'avoir tué, nous irons tuer aussi ton père! Oh non, 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 mon pauvre père, non! cria Pinocchio au comble du désespoir. Mais à crier ainsi, on entendit qu'il avait les pièces dans sa bouche. Ah, oh, petit cachotier! Tu avais donc caché les pièces sous ta langue! Crache-les tout de suite! Mais. Pinocchio tenait bon. Ah, tu fais le sourd! Attends un peu, on va s'occuper de te les faire cracher! Et en effet, l'un des deux attrapa le petit pantin par le bout du nez, l'autre l'attrapa par le menton, et ils commencèrent à tirer chacun de leur côté, de toute leur force, pour qu'il ouvre la bouche. Rien à faire. La bouche du pantin semblait clouée et collée. Alors l'assassin le plus petit sortit un grand couteau et chercha à lui enfiler entre les lèvres comme un scalpel pour faire levier. Mais Pinocchio, rapide comme l'éclair, lui mordit la main, la coupa net et la cracha. Imaginez sa stupeur quand il vit qu'il venait de cracher par terre non pas une main, mais une patte de chat. Encouragé par cette première victoire, il se libéra des griffes des assassins, sauta derrière le buisson du chemin et courut dans la campagne. Les assassins couraient derrière lui comme deux chiens derrière un lièvre, et celui qui avait perdu une patte courait sur une seule jambe. On se demande encore comment. Après une course de quinze kilomètres, Pinocchio n'en pouvait plus. Alors, se voyant perdu, il grimpa en haut d'un grand pin parasol et s'assit sur la plus haute branche. Les assassins tentèrent de grimper, eux aussi, mais ils n'arrivèrent pas à la moitié qu'ils glissèrent et dégringolèrent jusqu'au sol avec les mains et les pieds tout écorchés. Ils ne s'avouèrent pas vaincus pour autant. Ils formèrent un beau fagot de bois sec au pied du pin et ils y mirent le feu. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'arbre commença à brûler comme une chandelle attisée par le vent. Pinocchio voyait les flammes monter, monter toujours plus haut, mais il ne voulait pas finir comme un pigeon rôti. Alors il sauta de l'arbre et se remit à courir à travers champs et vignes. Derrière, les assassins, infatigables, se remirent aussi à sa poursuite. Le jour commençait à poindre, qu'il courait encore. Mais tout à coup, Pinocchio fut arrêté par un fossé large et profond, rempli d'eau sale, couleur café au lait. Que faire À la une, à la deux, à la trois s'écria le petit pantin en prenant son élan pour sauter de l'autre côté. Les assassins sautèrent eux aussi, mais, ayant mal calculé leur coup, pataplouf ils se retrouvèrent au beau milieu du fossé. Pinocchio entendit le bruit de leur chute dans l'eau boueuse, et tout en continuant à courir, il leur cria en riant Bon bain, messieurs les assassins Il se les figurait déjà bel et bien noyés. Mais en se retournant, il s'aperçut qu'ils couraient toujours derrière lui, dans leurs sacs ruisselants comme des paniers troués.